les amis, c'est Mobio et on est de retour sur Assassin's Creed 2. Alors, dans l'épisode précédent, je me suis retrouvé sur Venise. Et du coup, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Mais j'ai une petite surprise pour vous. J'ai installé un truc spécial sur Assassin. Ça s'appelle un SwitchFX. Enfin, c'est un petit logiciel sympathique qui permet de faire ceci. Regardez la différence. Magnifique. Approchez, mes amis. Regardez la couleur. Tac, ça c'est avant. Ça c'est après. Franchement, magnifique. Bon, voilà. Alors, du coup, maintenant, je trouve que le jeu est beaucoup plus beau. Après, on n'est pas là pour ça. On est là pour jouer. Du coup, je vois que dans la zone, il y avait un codex. Un codex. Alors, où est-ce qu'elle est la carte ? Oui, il est là, codex. Allez, on va le chercher. Il y en a même deux. On va aller chercher. C'est parti. Par là-bas. Alors, personnellement, c'est plus agréable de jouer comme ça. Et ceci tant que le Saint-Père n'aura pas fait connaître sa décision. Les marchands agissant à titre privé peuvent poursuivre leur activité sans craindre de représailles. Allez hop, monte mon gars, un peu plus vite. Alors... Oh, tu t'es fait mal, t'es sérieux? Non, bon, hop. Ils sont où les gars là? Ah, ils sont là en bas. J'ai des lames, ouais. Ah, j'ai les mecs. Allez, les gars, je vous attends. Ah, j'ai mon gars. Allez, vas-y, vas-y. Attaque, vas-y, attaque là. C'est pas normal ça. Allez, hop, l'attaque là. Oh, allez. Je vous attends, les gars. Au bon moment, oui, c'est exactement ça. Adieu. Hop là, ça c'est fait. On a le codex à ramasser maintenant. Voilà. Ça fait un peu de pognon. Pas grand chose. Mais bon. C'est toujours mieux que rien. Hop là. Page du codex récupéré. J'ai vu qu'il y en avait une deuxième pas loin. Elle est là-bas. Ok, on y va. Le diable est parmi nous. Le prince des ténèbres va s'en prendre à nous tous. Poussez-vous. J'ai pas que ça à faire. Ah, on peut pas y aller. Pas encore. Ok, bon ben on va avancer dans l'histoire alors. Dans l'histoire, qu'est-ce qu'il y a de beau? Repère des Templiers. On peut aller où le repère des Templiers? Ouais. What is this? Ok. Bon, quête. On va faire là pour le point d'observation et puis la quête. Point d'observation 220 mètres. Ok. On est parti, s'il vous plaît les gens. Écartez-vous. Je passe. Quand je passe, les gens trépassent.
En même temps, c'est pas mal pour un assassin, c'est normal. Non mais viens pour chanter ta chanson toi, ciao. Il y a quoi là-dedans pour que vous... Oh mais les gars, non, arrête, lâche-moi. Oust. Hop, on monte par là. Voilà. Tout à fait. Allez, monte mon petit gars. Trop haut ou quoi? Bon bah trop, c'est pas grave, ça fout, on va faire la... Ah non, te charge pas de moi s'il te plaît. Je veux pas. Faut juste un tour d'observation d'abord. Et puis j'ai la manette qui a vibré, c'est trop bizarre. Il y a comme des statues hein. Et tout. Bon, elles sont pas super détaillées non plus hein. C'est pas Assassin's Creed Unity non plus. Mais c'est pas mal. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Là-bas! Merde! Il va s'enfuir là-bas! C'est lui! Capturez-le! Mais calme-toi là! Tiens! Allez, il est mort! Allez, il est mort! On va monter vite parce qu'il y en a un autre là qui. Qui se sent plus là, qui me fout des flèches. Laissez-moi tranquille, les mecs! Hop là, on est tout en haut. C'est parti. Voilà. Voilà. Observez un petit peu la zone. Et dans le fond. En réalité, on se pèterait la nuque. Faut être honnête. Tu fais ça, t'es mort. Comment faire pour entrer? Je pourrais escalader. Non, mauvaise idée. Si je tombe, je me tue. Je dois trouver autre chose. Je te reconnais. Il faut partir. Tu ne t'es pas excusé après m'avoir bousculé. Allez! Va bene, Verrou. Vers l'eau. Si je peux me permettre, c'est un peu vague. Un peu, ouais. Vers l'eau, c'est un peu vague, j'avoue. Là-bas, là-bas, c'est lui. Je la suis, c'est ça? Tu n'as pas respecté la loi, tu dois mourir. Allez, passe au suivant. Et bon, il doit le taper, Si tu touches une faible femme comme ça, là, plus blessé. Et toi, là? Et toi, pense à ta mort prochaine dans quelques secondes. Voilà. Celle-ci. Ouais, mais tu connais où? Ok, elle part par là. Je suis un petit peu. Non, mais c'est bon. Arrête de speeder! T'es trop rapide pour moi! Je crois que t'avais une flèche dans la jambe. Ah, ok, en fait, c'est juste moi qui est très long. Ah, mais je te rejoins. Calme-toi. Putain, elle bouscule tout le monde, sauvage. Tu t'appelles Cortex, c'est ça? Putain, tu prends ça. Et l'autre, faut qu'elle survive là.
petits archers. Allez. Ok. Oups, c'est pas le bon bouton. Vas-y. Tu traces. Vas-y, ouais, on trace. Attends-moi. Attends-moi. Ah, catastrophe. Catastrophe. Qu'est-ce que tu attends? Bah rien, je me fais bousculer, je bouscule tout le monde. Vas-y, je... Dégagez. Encore les gens. On voit rien là. Alors forêt. Je vais me débrouiller toute seule. Merci. C'est bon. Dégagez. Elle speed de trop la meuf. Calmos. C'est mon petit archer. Comment ça c'est... Ouais. Approchez un peu, je vais vous tailler en tête. C'est temps que quelqu'un mette un terme à ses souffrances. Le voilà. Là-bas. Donne-moi cette arme. Voilà. Et ton mon petit gars. Ça j'adore ce coup quand même, il est excellent. Ouais, dégagez les gars. Vite, il se rapproche. Vite, tu vas aller jusqu'à où encore comme ça? On arrive là? Oh, pourquoi tu ralentis? Ah ouais. Quel est ton nom déjà? Rosa. Enchantée, Rosa. Je suis Ezio. Je sais. Je passe. Easy. D'accord. Allez. À une prochaine fois. Suivez-moi parce que... Rattrapez-le. Oh. Donne-moi ça, toi. Je te la rends. Je ne veux pas. Je ne resterai pas ici. Si. Donne-moi ça aussi et je te la rends direct. Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais bien rire toi, il y a des mecs quoi. La meuf, il se fait. Bah rien, je me fais défoncer la gueule. Putain, c'est ce que j'ai commencé. C'est ce que j'ai commencé la partie de l'histoire. Mais vous êtes sérieux? Tu peux pas venir là dès le début? Hugo! Est-ce que ça va? Rosa est blessée. Par ici. Nous allons continuer en bateau. Doucement. Vas-y, elle pesait un petit peu là, tiens, je la rends. Partez, je m'occupe des gardes. Mon gars. Non mais merde. Pourquoi c'était sur le pylône? Non mais non, pourquoi faire? Ça aurait été trop stylé, c'était sur le pylône. Là-bas, ne le perdez pas. T'as plus? Vas-y, donne-moi ça. Continuez, Ezio. Dégage-nous la voie. Là-bas, toi, tu n'iras nulle part. Voilà. Ça va se faire. Hop, allez, on vous suit. Ils sont projetés sur les... C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux non plus. C'est ça que je veux. Voilà. Ça, c'est fait.
petit couteau, c'est pas mal. What? Mais qui? Où? Comment? Pourquoi? Pour qui? Pour quand? Pour foiré. Arrêtez-le tout de suite. Mais il y aura du biglé. C'est une catastrophe. Voilà. T'es pris au piège. Plus vite. Il nous tire dessus. C'est bon, c'est bon. Dans l'eau, voilà. Ça, ça marche bien, ça. On les pousse. Hop, par là-dessus. Ouais, bah oui, bah, facile à dire, mademoiselle. Prends toujours pour site, prends toujours pour cible. C'est bon, là, ils vous prennent encore pour cible. Ah oui, donc on va là. Ah, mais. Allez, dans l'eau. Voilà. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Je sais pas si t'arrives, j'ai juste passé comme ça. Je vous conviens pas, mon ami. Vous devriez boire un peu d'eau de vie. Ouais, tout de suite. Tu vas jusqu'à où là? Jusqu'à où je tue là? Sérieuse, mademoiselle là? Oh. Ah là-dedans. Ok. Il est mort, idiot. On se recueillera plus tard. Je dois voir. Je dois voir Antonio. Doucement. Je m'en occupe. Va trouver Antonio. Bon sang, Hugo, qu'est-ce qu'il dit? Mais qui est-il pour me donner des ordres? Un gars qui s'est moi à la portée, espèce de blaireau. J'en peux. Hé, hé. Réveille-toi. Aidez-nous. Où est Antonio? Qu'est-ce que vous attendez? Il faut l'allonger. Allonge-la ici. Ok, j'arrive. Pas de problème. C'est l'hosto, c'est ça? Où suis-je? Chez toi. En sécurité. Merci. Rosa, qu'y a-t-il? Retire-moi cette maudite flèche. Calme-toi, calme-toi. Laisse-moi voir ça. La flèche a traversé la cuisse. Rien de bien grave. Extrais-la. Rosa, si je fais ça, maintenant. Comme tu veux. Tenez-la. Désolé, ma belle. Désolé. Je vais t'en donner des raisons d'être désolé. Va chercher Bianca. Allez, vite. Il faut que tu m'aides. Comment? Donne-moi un linge propre. Voilà. Quand je retire ma main, appuie fort sur la blessure. Tu es prêt? Vas-y. Porca puttana! Parfait. Non. Toi, tu ne manques pas de cran. Eh bien, elle a la peau dure. Allez, emmenez Rosa à l'intérieur. Bianca va la soigner. Ça va aller. Le pire est passé. Que la peste s'abatte sur toi, bastardo! Sur toi et sur la truie qui t'a donné la vie! Merci.
Rosa est ce que j'ai de plus cher. Si je la perdais... J'ai toujours eu un faible pour les jolies femmes en détresse. Oui, il paraît. Ne sois pas surpris. Nous savons tout sur toi, Ezio. À en croire tes exploits dans toute la Toscane, tu es efficace, quoiqu'un peu... impulsif. Alors tu sais pourquoi je suis ici? Je le devine. Ouais, je préfère la couleur, hein. Quand tu auras une minute, rejoins-moi dans mon bureau. Nous bavarderons un peu. Ok. Bon. C'est un peu le bordel, hein. Pas le dire, quand même. Alors... petite sauvage, là. Alors, qu'est-ce que tu me racontes comme une île de beau? Prego. Je peux t'offrir quelque chose? Des biscuits? Du café? Du café? C'est une infusion délicieuse que m'a rapporté un marchand turc. Tiens, goûte-moi ça. Mm-hmm. Un peu trop amer à mon goût. Je dirais qu'il manque quelque chose. Je ne sais pas, une cuillerée de sucre peut-être? Ou du lait? Tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Assez parlé de ça. Où en étions-nous? Ok. Notre déroute au palais nous a coûté très cher. Nous allons devoir nous relever. Mais Emilio profitera sûrement de la trêve pour renforcer ses défenses. Mais aussi pour continuer d'opprimer tout le quartier. Ce combat n'est pas le tien. Mais nous avons le même but. Rassemblez vos forces et lancez une nouvelle attaque. Agir à la hâte nous infligerait d'autres pertes. Non. Il nous faut des armes et un plan d'action. Je peux difficilement me permettre d'attendre. C'est là que je veux en venir. Rallie notre cause. Mes hommes se remettent lentement de leurs blessures. Trouve-les, ils te diront quoi faire. Plus vite tu les aideras, plus vite nous passerons à l'attaque. Molto bene, Antonio. J'accepte. C'est la bonne décision. Ok. Nickel. Oh ben... on y retourne direct, hein, on est juste à côté. Ah, Coco, elle est là. Qu'est-ce que tu veux dire? Salut. Salute, Rosa. Ça a l'air d'aller mieux. Est-ce que tu te plais à Venise? L'endroit est charmant, mais l'odeur est insupportable. C'est écœurant. Alors? Quel bon vent t'amène? En fait, j'espérais que tu pourrais m'aider. Bien, mais encore? J'aimerais apprendre à grimper comme toi. Ah. D'accord, je vais te montrer. Je vais plutôt demander à Franco. Franco! Allez, ramène tes fesses! Montre à Ezio comment grimper en haut de cet échafaudage. Avant tout, commence par te suspendre. Et saute pour atteindre le rebord. À ce moment-là, attrape-le avec ta main. Et puis hisse-toi. Bien. Tu as compris? Ouais, je crois. Y a qu'un moyen de le savoir. À toi de jouer. Ok. Ça va m'être utile, ça. Saute, Ezio! Ok. Easy, en fait. Attrape le rebord au plus haut de ton saut! Ok, easy. Alors, le verdict? J'ai déjà vu mieux. Arrête, je t'en prie, tu vas finir par me briser le cœur. La récréation est terminée. On va voir ce que tu vaux vraiment. Je suis prêt. Rejoins-moi devant l'église des Frari. D'accord. Ouais, je la rejoins. Ouais. Après ça, je me vautre comme une grosse merde. C'est normal. Alors, oui, ça. C'est pas mal, ça. Gage. Oust. Alors, ouais. Non, ouais. Par là. Je peux par là, ouais. Je peux par là. Oh, ça, je peux aussi. Ça aussi, je ramasse. Mais il faut que je nage.
Allez, monte ça. C'est long, hein. Ah oui, mais c'est long, mais puisque je suis allé dans... puisque j'ai dépassé, en fait, je suis un couillon. Je suis un couillon. Couillon. Allez, par là. Salut, les filles. Désolé. Bon, alors, ce point, je m'en approche. Il est où ? Il est là-haut. Hop, on monte. Voilà. Hop. Ah, mais non. T'es fou ? Pourquoi t'es tombé ? Pourquoi ? Ouais, c'est pas grave. Pourquoi c'est vautré là ? Ok. Ensuite. C'est où quand même ? Passer par là. Décale-toi. Voilà, elle monte. Bien. Voilà, bravo, Ezio. Allez, par là. Un peu plus haut. C'est le prix de tour. Quelle idée de les faire si haute. Voilà. Bon, un petit peu la zone. Je peux voir où est-ce qu'elle est maintenant. Ah, mademoiselle. Wesh, mademoiselle, t'es où? T'es là-bas. Soyez pas timide, approchez. Alors, ici. Non, je vais faire par là alors. Passer faire le tour et tout. Salut toi par contre. Oui. Alors déjà. Merci. Ensuite, ça aussi. Déjà. J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais si vous voulez rester en bonne santé, tenez-vous tranquille. Ouais, c'est ça. J'ai que ça à foutre. Restez tranquille. Il faut rentrer dedans comme ça. Oh, yeah, d'accord. Cette zone, elle est pas. Pas très coloré, hein. D'ailleurs, ça donne quoi? Ah, c'est vachement sombre, en fait. Ah, c'est plutôt bleu et tout, c'est quand même pas mal, hein. Ok. Je vais me fracasser, quand même. Alors... Ah, Ezio, je suis content de te revoir. J'aurais bien besoin de tes lumières. Bien sûr. En quoi puis-je t'aider? Emilio a dressé plusieurs de mes hommes contre moi. Je parie qu'il les a corrompus. Oui, nous ne pouvons pas frapper avec des traîtres dans nos rangs. Ils sont quelque part dans ce quartier. Ils nous espionnent et rapportent tout à Emilio. Plus pour très longtemps, crois-moi. Ben non, je voulais discuter avec la fille en fait au départ. Bon bah tant pis. Hein. Je voulais faire la quête avec la nana. Fais chier. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Le gars qui a suivi vachement l'histoire. Bon, Ok. Bon, il est peut-être en hauteur. Ah bah il est là-bas. Cible. Ok, il y a trois gars à tuer. Magnifique. Oh mais putain, mais le blaireau. Monte, c'est fou. On part là alors. Je suis là, Fratello. Tu vas mourir. D'accord. Il s'est enfui.
Attention! Poussez! Je le vois! Là-bas! Putain! plus vite, merde! Là-bas! Bon, tu me fais vraiment chier, quoi. Ok, je monte là. Mais, dégage! Mais putain, mais c'est pas possible! Laisse-moi tranquille! Bon. Je vois plus. Descends, c'est pas... Tu vas mourir. Oh. Ouais, puis encore, tu me mets des flèches comme ça. Toi, tu meurs. Toi aussi. Bon, Ok. J'ai tué une cible ou pas, du coup? Ah oui, j'ai tué une cible. Je vois pas les autres, par contre. Que dalle. Bon. Je sais pas trop qui je vais tuer. Je vais aller en face. Hein, alors, couteau. Là, tu meurs. Oh, mais bon. Vous me saoulez les mecs là, mettre des flèches là. C'est vrai. What? C'était quoi ça? Personnellement, c'était un truc de fou. C'est pas vrai. Ciao mec. Je vais pas tuer ce con non plus. Oh, d'accord. Je veux bien, mais... Qui je dois tuer? C'est pas eux. Ah, mais il y a des points là-bas. J'ai des points sur la carte. Pourquoi je m'amuse à me faire les bateaux? Plus j'arrête la drogue, hein. D'ailleurs, sur le chemin, le médecin entre temps aussi sur le chemin, ça serait pas mal. J'ai une carte qui m'indique des choses. Pourquoi je ne regarde pas la carte? Décale-toi, saute là. Mais pas dans l'eau! Tu peux pas aller sur le bateau qui était juste devant toi? Un piètre escaladeur. Hein. Cœur. Je tourne légèrement le joystick et c'est dit non, tu tombes. Alors, sur la carte. Sur la carte, où est-ce que vous êtes? Oh, ouais, d'accord. Un peu plusieurs là. Vas-y, on va mettre un point ici, comme ça je sais plus ou moins où aller. Ça, c'est la mission. Personnellement. Et jusqu'à maintenant, nous avons été incapables de l'arrêter. Ok. Alors, une petite vision de l'aigle qui tue. Personne. Toujours rien. Personne. Déjà, ça fait diminuer un petit peu l'indice de recherche. Je
presque au milieu. Alors. On va y aller par là. Ah, j'ai cru voir quelque chose. Non, mais remonte. J'ai cru voir quelque chose. Il va s'enfuir! Hé, l'ami! Je me sens de vous parler! Ok, checkpoint atteint. Il est où? What? Deux? Comment ça, deux? Tu n'as plus, le voilà! Là-bas! Toi, tu meurs? Toi, tu ne mérites pas de vivre! Merde là! Rattrapez-le! Là-bas! Attrapez-le! Bon, ok. Tu me saoules. Tu n'iras pas loin! Si, si, je vais aller très loin. Passe ma vie dans la flotte. Mais vous me saoulez, les gars. Vous comprenez, vous me saoulez. En plus, vous vous jetez dans l'eau, quoi. Oh, piqué. Vous êtes vraiment chiant, les mecs. Par ouf. Ouais, bah vas-y, passe ta vie dans l'eau, c'est bien. T'avais besoin d'un bain, c'est ça. Je crois que j'ai détesté cette ville. Venise, non, voilà quoi. Une ville des amoureux, mais pas pour Ezio. Hein. Voilà, du pognon. On n'a pas vu que c'était téléporté. Non, non, on a pas vu. Oh, salut les mecs. Bon. On s'approche ou pas? Plus ou moins. Alors, salut les gars. C'est pas que je vous aime pas, mais j'ai une quête. Il est là-bas. Faut que je le tue. Hein. Ayons le cœur rempli de joie, car il est pas... Mais non, bah, pas eux! Mais il est violent. Voilà. Ok. Bon, bah, c'était compliqué. Hein. Je veux pas être méchant, mais ça l'était, je trouve. Du coup, elle était où? Mémoire génétique. Un codex. Bon, bah, ouais, non. Catastrophique, cet épisode est une catastrophe. J'ai passé ma vie à nager. J'étais Jenny Weissmuller, quoi. J'ai fait que ça. Nager, Tarzan. Ensuite, j'ai fait que de me vautrer aussi, mais. Pff, catastrophe. J'ai juste aidé une nana et j'ai appris un petit peu à escalader d'une façon plus rapide. Voir si ça marche encore. Ouais, ça marche. Ouais, c'est nickel. Ouais, j'ai appris à marcher, à escalader plus rapidement, du coup. Alors, si l'épisode vous a plu, ben, vous mettez un pouce bleu. Attends, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je rentre dans le truc, là, tu me vois plus, j'ai disparu de tes yeux. T'es un gros blaireau. Bon, alors, si l'épisode vous a plu, ben, vous mettez un pouce bleu. Si ça vous a pas plu, vous mettez un pouce rouge, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.